Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, comme d'hab. Pourquoi ça va super? Puisque nous avons franchi le cap des 1000 barbares d'élite. On a franchi le cap des 1000 barbares d'élite. Honnêtement ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes énormément à vous abonner, à lâcher des gros biceps bleus aberrament titanesques sous toutes les dernières vidéos. On a pété les 100 likes sous plusieurs vidéos. On a passé les 1000 vues sous toutes les dernières vidéos. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est pour ça que, en fin de vidéo, je vais vous faire des annonces extrêmement croquantes, extrêmement croustillantes, mon ami. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud. Là, je vous prépare vraiment du grand cinéma, du grand spectacle. Vous êtes vraiment pas prêts. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement pressé. Car nous sommes en train de faire quelque chose. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, les amis, tout simplement. Nous écrivons l'histoire. Nous écrivons l'histoire. Aujourd'hui, j'ai un petit SBD RPE7. RPE7T. Donc, ça va être le calme avant la tempête. Je vais envoyer du gros RPE7. Donc, vous allez quand même être surpris, vous dire... dis donc, c'est vraiment RPE7 ça? Oui, oui. Mais ça sera rien du tout par rapport à ce que je vous réserve la semaine prochaine pour le SBD RPE9. Voilà, je l'ai fait en deux coups. Donc voilà, moi je vous mets directement le vlog, je vous souhaite un bon visionnage. Let's go. Ok, bon, je suis bien arrivé sur le parking de la salle, je me suis bien défoncé les oreilles avec du gros hardstyle à fond. Ah, je vous jure, cette musique, genre ça me... Genre je te jure, je suis à fond quand j'écoute ça, je me dis ok, là je vais tout niquer là. Là je vais tout soulever, squat, bam, Jupiter, bench, bam, Jupiter, deadlift, bam, Jupiter. Il va y avoir trois cartes comme ça, bam, 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 énorme. Et genre franchement la NASA, un jour ils vont observer, ils vont dire waouh, what the fuck. What the fuck, bro? What the fuck? Pourquoi il y a autant de cratères sur cette planète? À votre avis? À votre avis? Putain! Et là, j'étais en... Gros, je... les gens, je sais pas ce qu'ils ont, ils savent pas conduire, ils roulent à deux à l'heure comme ça. Je tombais sur toutes les mamies de la France. Genre, je te jure, les vieux, je suis sûr, ils se réunissent. Ces enfoirés, sauf papi et mamie. Cœur sur vous si vous voyez la vidéo. Je vous jure, tous les vieux, ils doivent avoir des groupes WhatsApp et ils disent, on va casser les couilles à Théo. Le samedi, juste avant d'aller à la salle. Un jour où il est en retard, on lui casse les couilles, on roule à deux à l'heure. Frérot! Tu fais quoi? T'essayes de faire monter le pré-workout avant le pré-workout? C'est ça que t'essayes de me dire? Bref. Bref, là je suis trop chaud. SBD RPE7, petit big shot et ça va bien se passer. Allez, let's go.
écoute. Oh, let's go. Non, mais enfin. Non. Non, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Je. Merde. Oh putain. Mais gros, mais. T'as rien vu. T'as... Et de toute façon, c'est Théo du futur. Genre là, c'est Théo du futur. Théo, il mange pas ça. Il mange pas ça, donc. C'est bon, j'ai. Non, Théo, il mange pas ça. Donc arrêtez de faire des suppositions bidons. Théo, il bouffe des légumes. Beaucoup de légumes. Beaucoup. Des pâtes. Des pâtes. Du riz. Du riz et des pâtes. Et. Ouais, désolé. Ok, je bouffe des putains de burgers après chaque SBD, motherfucker. Tous les samedis. Tous les samedis, on récompense le cœur. Pourquoi le cœur? On récompense le corps. Le corps. Oh là là, j'ai plus de sang dans le cerveau. Frère. ASBD, le mec est KO. Son cerveau ne fonctionne plus. Hop, erreur 404. Finito. Pipo. Pou. Sur Jupiter, le cerveau. Bref. Là, je mange le petit burger dans la voiture. À la belle étoile, le ciel est magnifique. Cobello. Je mange mon petit burger et ensuite je vous fais le petit récap qui fait plaisir de cette séance. Je vous donne les petites techniques qui m'ont permis de bien stonks là depuis quelques semaines. J'en ai encore appliqué aujourd'hui. Vous n'êtes pas prêts, elles sont titanesques. Il y en a une qui parle même de balls. Oui, je fais des teasers, oui, oui, carrément. Et ensuite, je vous fais les petites annonces dont je vous parlais en début de vidéo. Genre, tu sais, juste avant, quand t'es arrivé. Ok, bon appétit à moi-même, bon appétit à toi-même, toi également, si jamais tu es en train de consommer de la nourriture, de te sustenter, voilà, avec des petits plats aberrament titanesques, aberrament titanesquement cuisinés, voilà. Bref, à toutes. Ok, c'est bon, le petit burger est fini, donc c'est l'heure de faire le récap. Je vais commencer par vous donner les petits tips que j'ai appliqués et qui ont fait que vraiment, ouh, les performances ont stonks. Elles ont stonks, mon ami. Elles ont stonks. Tout se passe très très bien. Comme sur le plan, voilà, j'ai un petit plan secret. J'ai écrit ça sur une feuille un jour. Je ne vous le révèle pas. Vous allez le voir IRL. Voilà, les actions parlent plus que les mots. Donc, commençons par le squatty squat, motherfucker. Donc, pour le squat, j'ai appliqué deux choses. Mon souci, c'est qu'en fait, mes talons se décollent, donc j'ai un très mauvais routing, parfois, je suis carrément obligé, je monte, je redescends, et je remonte, en mode mauvaise trajectoire, ok, pas grave, et je remonte comme ça, c'est totalement ridicule. Donc j'ai regardé Austin Perkins, qui est genre un ricain super chaud, et le mec a balancé deux tips. Le premier tips, c'est quand tu vas brace, il va falloir brace contre ta ceinture et contre la barre. Et quand tu fais ça, tu es beaucoup plus compact. Donc, c'est absolument magique. Genre, vraiment, ton bracing, il est, tu sens qu'il est complet, tu vois. Alors que quand tu pousses juste contre ta ceinture, tu vois la différence après. Avant, je l'aurais pas ressenti, mais maintenant, je la ressens de ouf. Donc, voilà. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième, c'est le fameux conseil avec des balls. C'est le fait de devoir maintenir tes couilles au-dessus de tes pointes de pied. Au-dessus de tes yep, tu vois. Et quand tu fais ça, ça fait que ton routing est bon parce que la trajectoire de ton squat est bonne. Alors pour les meufs, j'imagine que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc soit vous avez une bonne imagination, vous imaginez que vous avez une petite paire de balls comme ça, pop, comme ça. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. La chaîne YouTube va être monétisée, je vais déjà être démonétisé. Je vais encore faire du bénévolat, putain. Et voilà, c'est finito. Donc voilà. Ou alors vous vous accrochez. Je sais pas si vous avez déjà vu derrière les vélos, il existe un. Oh, il y a des moucherons. Bam! Je vais les avoir. Voilà, ta grand-mère, toi. Fils de. Allez! C'est bon, on peut reprendre. Donc, du coup, ouais, derrière les vélos, il y a des petites couilles lumineuses qu'on peut accrocher. Bah, vous les accrochez et vous regardez si elles sont bien au-dessus de vos pointes de pied et ça va le faire. Non, faites pas ça, je vous en supplie.
Bref, maintenant on passe au bench, motherfucker. Donc là au bench, la petite technique que j'ai appliquée et que j'ai tirée de Pana. Et oui, je tire mes techniques des autres à chaque fois et je vous fais un petit condensé comme ça, vous avez vraiment de la chance. Je suis votre humble serviteur. Donc la technique, ça va être vraiment de laisser la barre vous écraser dans le banc. Votre rétraction scapulaire se fait grâce au poids de la barre. Et également, quand vous allez pousser la barre, quand vous serez en bas et que vous faites le press, il faut avoir la volonté de pousser contre le banc. Faut pas juste imaginer qu'on a une barre dans les mains et que nos bras montent comme ça. Faut imaginer que on pousse contre le banc comme ça, limite qu'on s'enfonce dedans tellement on pousse. Et je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que ça réduit la trajectoire. Quand je fais ces choses-là, ces deux tips, quand je les applique au bench, j'ai l'impression que ma range of motion, mon amplitude, est plus petite. Je suis plus compact, je peux faire plus de reps, ma trajectoire est meilleure. Je ne saurais pas comment vous le dire. Donc voilà, ça c'est vraiment les petites pépites au bench. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, je me suis même pas hype. Je crois que j'ai mis de la musique à partir de 157,5 kg. J'ai mis de la magnésie à partir de la 162,5. Mauvaise trajectoire et pourtant, elle explose sur Jupiter. Donc, que dire. Et le dernier tips, ça va être hauteur. Donc hauteur, j'ai appliqué deux tips également. C'est le fait de faire du tempo genou sur les warm-up. Donc c'est ce que je mets dans les vidéos du jeudi et du mercredi. Ça dépend, donc si vous regardez la dernière vidéo, je fais du tempo genou. C'est le fait de ralentir la montée jusqu'au genou et ensuite de monter, d'exploser comme ça. Et ça, ça te force à être patient au décollage et à avoir une bonne rotation externe des genoux si jamais tu es en sumo et d'avoir un bon slack. Ça dépend pas du tout du sumo. C'est vraiment sur tous les deadlifts où c'est important. Patience au démarrage, bon slack et aussi bonne trajectoire de barre. Donc ça, c'est vraiment le premier tips que j'ai appliqué. Et ensuite, le second, ça va être pour tous mes sumo puller boys ou sumo puller girls. C'est le fait de pousser dans le sol sur le côté. Genre vraiment, comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit un mouvement de charnière. C'est vos jambes qui poussent de manière à faire monter la barre. Genre littéralement maintenant, quand je fais du sumo, j'ai des douleurs au quadriceps. Genre je sens mes quadriceps bosser pendant que je fais du sumo. C'est incroyable. C'est la preuve que j'utilise mes jambes. Et donc vous, peu importe votre type de deadlift, vous devez sentir vos jambes. Et vous devez faire un mouvement de charnière. C'est pas votre dos qui va faire un rowing, c'est vraiment, on pousse dans le sol, on pousse à fond. Et ça, c'est juste incroyable. Et donc du coup, bah, là, 2 reps à 252,5, on a encore eu de la chance parce que Paul m'a dit, ok, pour pas que tu overshoot, on va faire une petite technique. Si jamais tu penses à un nombre dans ta tête pour le RPE 7, bah mets moins lourd. Donc je voulais mettre 255 et je m'en suis rappelé, j'ai fait, ok. On met 252,5, tu vois. Ça me fume parce que Paul, il sait que je suis un ego lifter et que j'overshoot tout le temps et il dit, ok, on va mettre en place des petites stratégies. Ça n'a aucun sens. Mais bref, voilà le squat qui va bien augmenter, je pense, à partir de la semaine prochaine. Le bench. Est-ce qu'on a besoin de parler du bench encore? D'ailleurs, désolé pour la petite miniature putaclic. Voilà, j'ai fait un petit test. J'espère que ça a marché. J'ai fait une petite miniature putaclic, mais vous inquiétez pas. Bientôt, la 180, les full plates, motherfucker. Ça va passer. Ça va passer sans putaclic, sans rien du tout. Je la sens, elle arrive. Ça va bien se passer. Et le TR, bah... Le TR, road to 7 plates, quoi. Road to 7 plates, motherfucker! Là, je pense que la semaine prochaine, ça va envoyer du très très lourd. Je pense que la charge que je vais choisir au deadlift, je l'aurais jamais réussi en une rep jusqu'à maintenant, mais je vais la faire en deux reps. Voilà, c'est annoncé. La semaine prochaine, c'est PR au squat, un PR honnête, mais voilà. PR au bench, mais là, atomisation du bench. Et PR au terre, mais là, ça va être atomisation du terre. Un truc de fou. Genre, vous êtes vraiment pas prêts. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
J'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous faites une sèche ou une prise de masse, n'oubliez pas de lâcher un gros biceps bleu sous la vidéo, de vous abonner et de mettre un petit commentaire pour le référencement. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ça va bien se passer. Ciao.